bientôt. Dans tous les taxis du monde, on met cette musique. On s'est trompé 3 fois de route. De taxi ne comprend pas l'anglais. Ali, no English. Bien le bonjour les amis, aujourd'hui je suis en Égypte avec Polo. En fait il y a tellement de choses à dire dans l'introduction mais je sais pas par quoi commencer. Après le Mexique, il y a l'Égypte. Je suis en vacances avec mes potes. Polo maintenant, carte verte. Golfeur à fond. Ouais, golfeur à fond, il fait 3 fois du golf par semaine, vous l'avez motivé. T'as quoi comme driver Polo? J'ai un Cobra Speedzone. Oui monsieur. Speedzone Extreme. Nous sommes sur le golf New Giza au Caire en Égypte. On a été super bien accueillis. On est sur le practice là actuellement. On va aller partir sur le 18 trous. Il y a un petit peu de brouillard, j'espère que ça va se lever. Parce que sur le trou numéro 4 les amis, au Caire, il y a les pyramides en arrière-plan. Donc j'espère que ça va être fou. C'est parti. Bon les amis, il y a beaucoup de vent, je pense qu'on va faire un scramble à deux. Le soleil est en train de se lever, le soleil est en train de se lever. On a 7 balles, on a 12 balles, ça devrait le faire. Pas sûr. Hein. Pas sûr. Trou numéro 1 en Égypte, le Caire, Polo. C'est incroyable. Évidemment Polo, on a fait du practice, mais est-ce qu'on a fait des approches ou du pied? Oui, bien sûr. Évidemment. Ça, là, à mon avis, c'est tout droit. Hein. Comme dans beaucoup de trous au golf. Si t'arrives à viser droit, t'es un bon golfeur. C'est parce que maintenant, c'est un vrai golfeur, Polo. Incroyable. 2 bonnes balles, Polo. On a 2 bonnes balles sur le tee numéro 1. Là, on va dire qu'il va rester 100 mètres. Sauf qu'avec nos clubs, vu que c'est pas des cobras, on perd de la distance. Non, mais je pense qu'il faut prendre un fer 9 au moins. Là. On a du coup des demi-séries, je sais même pas ce que c'est des Ben Sayer. On va voir ce que ça donne. M7 Series. Mais M7, c'est pas des télémètres, moi. Les M. Nous sommes au golf, au Mexique, les amis. Ça se voit peut-être qu'on a des petits yeux. Pourquoi, Polo? Mexique. On n'est pas au Mexique? Ah, non, en Égypte. Ah merde. Pourquoi on a des petits yeux, Polo? Parce qu'on a beaucoup visité hier. On a vraiment fait beaucoup de visites. Tu détestes les pieds en descente, ça y est, tu commences à avoir des manies de golfeur. Là, tu veux savoir un truc? Oui, je suis aligné à droite. Non, t'es pas aligné à droite là. Là, t'es aligné. Regarde, lève-toi. Regarde le drapeau. Non, mais là, t'es 100 mètres à droite en fait. Regarde, tu vois, si je m'aligne sur le drapeau, mec. C'est une petite gratte qui va rouler. Parfait. Aucune notion de distance. Ouais. Les grilles sont vraiment pas mal. Allez, Polo, on est en scramble hein. Vos potes, monsieur, c'est donné. Merci. Directement sur le golf. Oh, y'a des frites, mec. Y'a des frites? Mais non. Oh, génial. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Wow. Yeah. Ok, ok. T'es sûr? Ça roule. Là, t'achètes une maison ici, mec. Oh. But if you would like to ask for this one, I will call for my colleague to bring for you someone. Eh, parce qu'il pense qu'on est des riches millionnaires. Nous sommes des riches millionnaires. C'est faux. On est en train de manger. On a acheté qu'un gant. On a acheté qu'un gant pour deux. Il est là. Et bah, j'ai raté mon tir. C'est pour ça que t'as arrêté ton tir? Bah oui. Parce que t'es pas millionnaire? Mais non, c'est parce que j'ai pas de gants. Ah bah oui. C'est vrai, nettoie l'esprit. Nettoie l'esprit. C'est même parfait, non? C'est pas mal. 5 mètres du drap. De putt, c'est le par? De putt, c'est le par? C'est simple le golf, non? Donné. Ça fait plus 1 sur 2 trous. Allez, go! Comme Mexique, vous le savez, on va pas filmer tout. On va vous montrer le plus important. Ça va être un condensé des 18 trous. Je pense que vous allez kiffer dans tous les cas parce que le golf est super! Le soleil commence à se lever, ça commence à chauffer un petit peu, les fairways sont beaux, Polo prend son hybride. Eh, vise, ouais, vise. J'ai pas forcé quand même. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Allez.
Oui, les petites questions. Oui, monsieur le parc. Les amis, on va au trou numéro 4 qui est concrètement, normalement, l'un des plus beaux du pas 3 du parcours parce que tout simplement, il y a une vie sur les permis. Allons voir ce que ça donne. Ah oui, il y a un peu de brume, donc je sais pas si on va les voir, mais dans tous les cas, sur la miniature, Photoshop fait des magies. Le ciel sera parfait, vous aurez une pyramide sur la miniature, ça va être incroyable. On va pas les voir. On va pas les voir. Attends. Normalement, elles sont. Je pense qu'elles sont derrière ces montagnes-là. Le trou est incroyable. Et par contre, le trou est assez fou. Et normalement, il y a les pyramides là-bas. Je pense qu'il y a les pyramides là-bas. Vous voyez le visage dégoûté là ? Le visage un petit peu bourré de la veille et dégoûté en même temps. Ah punaise ! Tant pis, les amis, hein, vous avez qu'à venir ici pour aller voir les pyramides. Sur la miniature, il y aura des pyramides. La magie de YouTube. En tout cas, c'est un très très beau parcours. Hein. Oh, dommage, le contact était bon. Aucune idée, mais c'était une bonne frappe, je suis content. Allez, des clubs que j'aime pas. Moi, je préfère les cobras. Allez, go! Allez. Genre là, par exemple. Polo, c'est vraiment le golfeur exceptionnel. Ça veut dire que le mec, il fait que du golf dans des golfs de fous furieux. Genre, qui a un golf comme ça, les amis? Qui? J'essaye de mettre là et tu coupes. Ah non, mais je vais pas réussir à couper là. Si? Si j'arrive à la mettre fond du fairway, bon, c'est pas sûr, mais... Allez, je te regarde. Petite dédicace à Flo qui m'a conseillé ce parcours justement parce que j'étais au Caire, je savais pas trop quoi jouer. Et il m'a dit qu'avec le tour, avec l'Alps Tour tout simplement, il a fait ce parcours là. Donc il me l'a conseillé et je suis vraiment vraiment pas déçu. J'ai jamais vu un panorama comme ça au golf. Parce qu'en fait le Mexique c'est encore différent en fait. Il y a plein de golfs différents, c'est pour ça qu'on va faire, on va continuer tous à faire les golfs. Tous les golfs du monde. Du monde. Allez Polo. Oui Polo. Parfaite celle-là. Incroyable. T'as fait plaisir hein. Vas-y coupe. De couper, non. Je pense que tu vises à un pas droit du palmier genre. Du palmier. Il y a que des palmiers putain Polo. Non mais le seul palmier tout seul là. Par où il faut couper. Alors il y a un palmier tout seul. Ah tu penses que je dois viser là? Bah non, mec, bah tu veux couper où sinon? Quoi de mieux quand on partit en scramble, il y a un coéquipier qui joue très bien. Le mec il fout fond de fairway. Fond de fairway. C'est-à-dire que sa balle, elle a dépassé le fairway. Moi j'ai vu qu'il était bien, j'ai coupé un petit peu et on s'est foutu sur le fairway juste là-bas. Mais par contre, il y a encore un peu de distance. Hein. En fait, si j'avais su, j'aurais essayé de couper un peu plus, mais... Comme je t'avais dit. Comme oui, mais bon. Est-ce que tu connais les trous? Non. Oui, j'ai déjà joué ici. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Allez, go! C'est beau, ça. C'est bien fou. What? Oh! Ah, je suis dégueu. Allez. Abonnez-vous les amis, le petit pouce bleu, le petit bouton, la cloche. Pas. Ah c'est pas. Attends, birdie, ça sera pour plus tard, t'inquiète. Mais les amis, si ce n'est pas déjà fait, le petit bouton bleu, le petit bouton s'abonner, la cloche, parce que des golfs comme ça, c'est exceptionnel. Oui. La sensation quand il y a la balle qui roule sur le green, elle s'arrête un peu et tout. Je veux continuer à jouer à ce jeu. Ah bah ça tombe bien, il y a encore 18 000 heures de jeu. Je l'avais dans l'œil, je te l'ai dit. Bien joué. Allez. Super Polo. Les amis, on arrive sur le trou numéro 3. 3, pas du tout. Non. On arrive sur le par 3, le trou numéro 11. Putain, oh, le rebond! Le ricochet sur l'eau! Incroyable! Incroyable! J'espère qu'on la verra. Ben, là, elle est parfaite, hein. Elle est parfaite celle-là. 200 mètres d'un par 3. Des jaunes. Parfait. Je suis long? Non, ah, t'es juste avant le bunker. Après-green. C'était la canne. C'est parfait. Tu vois, c'est faire par droit. Allez! Ta balle, tu laisses le ricochet totalement.
C'est pas mal ça. C'est super ça. Boîte. Ah, elle est belle. Très 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 beaucoup. Allez. Ah. Oui monsieur. Bien joué ça. Allez pars. Trou numéro 12 par 5. 550 mètres. Yards. Bref, là faut s'aligner à gauche quoi. Parce qu'à droite, il y a de l'eau. Magnifique parcours en tout cas pour le moment. On kiffe. Polo, tu kiffes? De ouf. Bah, c'est un très beau drive. Putain, il est pas facile hein, ce parcours. Hein. Pas facile du tout. Mais je suis content de mes shots, c'est ce que je voulais faire, ouais. Tu vois. Deux choses. La première, en fait, on part pas des jaunes. En fait, ici, les jaunes, c'est les blancs équivalents en France. Donc, on est plutôt content. Ça va, franchement. Ouais. Parce que finalement, on joue pas si mal. Ça va, on prend... en tout cas, plaisir absolu. Plaisir assuré. Et regardez ce trou. Ça, c'est l'option numéro 2. Regardez ça. C'est, voilà. C'est incroyable. Trois fairways devant nous. Quatre. Allez, Polo. Un très beau coup de golf, ça, Polo. Oh là là. En fait, c'est ça qui est cool, le Horizon Challenge. C'est quand t'as des beaux fairways bien larges comme ça, tu dis ok, là je l'accélère un petit peu. Et boum, tu peux te dire qu'il fallait prendre la distance, tu vois. Les amis, Horizon Challenge. Looking so handsome. Oh, you have your way. And it's making me. Incroyablement nul ça. Punaise. Allez, allez. Dommage. Les deux expressions du golf. Non, en moins de 10 secondes. Départ du trou numéro 15. On a vu qu'il était drivable. On s'est dit, on se déchire. Non, c'était même pas dans le sable. Mais elle est loin. Putain, je suis content de pouvoir accélérer et quand même qu'elle parte, tu vois. Genre pas que je fasse un vieux topon là. Boum. Trop cool. Y'a pas de secret. Trop trop cool. On arrive sur la fin du parcours les amis. À chaque trou on en prend plein les yeux. Là c'est un par 3, 198 mètres. Ah. Heureusement qu'on a acheté des balles. On a perdu combien de balles Luc? Là c'est la 12e. Après le lendemain de soirée aussi un peu compliqué. On était en appartement avec une vue sur les pyramides. On va vous mettre un petit extrait maintenant. C'était assez fou. Un polo. On a acheté 3 balles, on a déjà perdu 2. Le parcours est pas simple hein. Franchement, il est bien tricky, Floom l'avait bien annoncé. Il est pas évident. Sur les 9 derniers, il y a beaucoup d'obstacles d'eau. Le dernier coup de pitch de la journée, c'est une top qui roule jusqu'au green à hauteur. Belle balle. Trois potes, mais on est deux. Et du coup, ça fait 1,5 potes. On est chaud. Bon, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé tout autant que nous. Le parcours est incroyable. Merci beaucoup encore à New Giza pour l'accueil. Donc le parcours, voilà, c'est le parcours de New Giza. Je crois que le green fee est à 50 euros, quelque chose comme ça. En vrai, si vous avez l'occasion, c'est l'Egypte, c'est super proche. Allez-y, c'est un super, super parcours. De toute façon, vous l'avez vu sur les images. On espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, le petit bouton bleu, le petit bouton pour s'abonner et la cloche. Et dites-nous en commentaire si vous kiffez ce genre de contenu avec Polo là, quand on va faire la vadrouille partout dans le monde. Comme ça, on repart et on se refait ça. Et évidemment, je veux faire ça avec Tom aussi. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup les gars et à la prochaine.